sa renommée le précède. Alors, en conséquence, nulle place à la flagornerie. On parle d'un rabagliati original à 200 $. Est-ce que j'ai une offre immédiatement? Alors, je tiens à vous signaler que l'artiste dont la réputation est littéralement vertigineuse depuis 5 ans, que son dernier opus, Paul à Québec, a remporté un succès sans égal et qu'il prépare déjà un nouvel album qui va lui ouvrir les portes de l'Europe et de l'Amérique. Alors, en ce sens-là, à 200 $, partir avec un original, on remercie à l'artiste de faire don d'une de ses œuvres à un tel prix. Est-ce qu'on a 200 $? 200 $. Parfait. Est-ce qu'on a 210 $ pour un rabagliati original? Vous l'avez sans doute vu, vous l'avez ri, elle vous a fait sourire. Peu importe, il s'agit d'une planche originale. Le format avec lequel travaille Rabat, d'ailleurs, m'a beaucoup étonné de travailler sur des planches si petites. Il me disait, c'est parce que je veux pas que ma main traîne dans mon trait. Est-ce qu'on a 210 $? Oui. 210 $. 220 $, c'est un cadeau. Vous n'aurez pas de rabagliati plus grand. Il travaille avec ce format. Il s'enligne de plus en plus avec des cases qui... littéralement une page par case. Alors, donc, conséquemment, 210 $ pour un rabat, c'est un bon prix. Est-ce qu'on a 220 $? Est-ce qu'on a 220 $? 220 $, vous n'aurez pas de plus grand rabagliati. Vous avez un rabagliati qui date, ma foi, c'est un vieux Paul, c'est un Paul expérimental, un off-Paul. Alors, à 200 $, écoutez, là, vous êtes dans la démarche de l'artiste pour 220 $, là. Vous marchez dans ses tout premiers pas, il a fait dans la gloire. Pardon? Il a fait 5 doses déjà. Il a fait 5 doses. C'est j'aurais dû donner une meilleure. À 220 $, est-ce qu'on a un acquéreur pour un, ma foi, un proto-rabagliati? 220 $ une fois. 220 $ deux fois. Wouh! 210 $. Félicitations, c'est bon. Je peux te louer 6 mois par année. Bravo. Bravo et félicitations. Félicitations aux valeurs que sont 85. Une œuvre qui va prendre de toute façon beaucoup de valeur. Je vous signale que Rabagliati est en pleine santé et que sa gloire ne fait que croître. Peut-être être moins familier que le marché de l'art, mais...